onction. Il y a une même onction qui travaille à différents niveaux. Il y a une même onction qui travaille dans différents compartiments de notre vie. Et on a dit que la première dimension de l'onction, c'est l'onction qui est en nous. Et quand l'onction vient en nous, l'onction vient spécialement pour travailler notre caractère. Notre caractère. La Bible dit en 1 Samuel au chapitre 1, quand vous lisez, pardon, 1 Samuel 10, la Bible dit, je ne sais pas au verset 10, la Bible dit que Dieu donna un autre cœur à Samuel. Dieu a fait quoi? Il lui donna un autre cœur. Il lui donna un autre cœur. Amen. Le verset 9. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Donc quand le Saint-Esprit vient en une personne, il vient travailler son cœur. Et vous avez dit que le cœur est l'élément déterminant. Le cœur est l'élément central. Si vous n'avez pas le cœur qu'il faut, vous n'aurez pas les choses que Dieu a prévues pour vous. Amen. Le premier type de transformation que nous opérons avec Dieu, c'est la transformation qui est intérieure. Ce sont des choses qu'on ne voit pas. Amen. Qui plus tard peuvent se ressentir dans nos paroles, qui peuvent se ressentir dans nos actions. Mais la première transformation est d'abord intérieure. Elle est d'abord au fond de nous. Elle est d'abord les choses qui se passent au fond de nous. Alléluia. Amen. Amen. Et on a aussi dit que la deuxième dimension de l'onction, on l'a appelée l'onction sur nous. On l'a appelée le revêtement. Et on a dit quand l'onction vient sur nous, l'onction vient pour nous donner une position. Elle vient pour nous donner quoi? Une position. Quand Saül a reçu l'onction, il est devenu roi. C'est une position qu'il a reçue. Dieu dit, je t'ai oint pour que tu... L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois? Tu sois. Donc quand l'onction vient sur quelqu'un, il lui donne d'être. Et dans le verbe être, on a la position. Amen. Après, on a l'identité. Donc Saül était un berger, mais il est devenu un roi. Et son identité a changé. Amen. Après l'identité, on a quoi? On a des capacités. Quand l'onction vient sur quelqu'un pour le rendre capable de faire un certain nombre de choses. En Exode au chapitre 31, vous lisez le verset 1 au verset 5, vous allez voir que Betsalel a reçu l'onction et il a été capable d'un certain nombre de choses. Quand vous recevez l'onction, certaines capacités surnaturelles viennent sur vous. Alléluia. Et en quatrième chose, on a dit que quand l'onction vient sur quelqu'un, l'onction lui confère une autorité. C'est cette autorité-là que les démons craignent. Les démons ne craignent pas ton nom, les démons ne craignent pas ta taille, les démons ne craignent pas le nom de ton pasteur, les démons ne craignent pas le nom de ton église. C'est ce de quoi tu es revêtu qui fait que les démons fuient devant toi ou bien qui fait que les démons obéissent aux ordres que tu donnes. Donc quand tu n'es pas revêtu de l'onction, tu peux trembler devant un démon ou bien un démon peut te malmener. En Actes chapitre 19, la Bible nous explique l'histoire donc de ses fils, donc de sacrificateurs. La Bible dit que c'était des exorcistes. Amen. Mais leur père était sacrificateur. Donc leur père avait une position dans l'église. Mais ça ne suffit pas pour qu'un démon obéisse à ta voix. La Bible dit qu'ils ont dit au démon, je te chasse au nom de Jésus que Paul prêche. Le démon leur a dit, je connais Paul parce qu'il a un revêtement. Je connais Jésus parce qu'il a un revêtement. Mais vous, qui êtes-vous? Identifiez-vous, présentez-vous. De quelle autorité êtes-vous revêtu? Quelle identité vous avez? Quelle position vous avez pour pouvoir me dire, moi, de quitter le corps de quelqu'un? Amen. Et la Bible dit que le démon a sauté sur eux. Cette personne, il les a malmenés. Je vais dire à quelqu'un, tu dois être revêtu d'une onction pour que l'ennemi te craigne, pour que l'ennemi tremble devant toi. Donne-moi un bon amen. Amen. Ce matin, je vais vous conduire dans la troisième dimension que j'ai appelée l'onction avec nous. Amen. Et je vais vous conduire dans le livre de Actes au chapitre 10, le verset 38. Bon, avant qu'on aille en Actes au chapitre 10, lisons 1 Samuel 10, le verset 7. 1 Samuel 10 a été notre test de base pendant tout ce mois d'octobre. Et j'espère que tu as lu tout le livre de Samuel. Ou bien j'espère que tu as médité plusieurs fois 1 Samuel, le chapitre 10. 1 Samuel 10, verset 7 dit, « Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, il dit, fais ce que tu trouveras à faire. » Car Dieu est comment? Dieu est avec toi. Amen. Donc, on voit à travers l'histoire de Saül les trois dimensions de l'onction. Le revêtement, l'huile qui a coulé sur lui. Amen.
le cœur que Dieu lui a donné, donc le changement intérieur. Et on voit ici, il dit, car Dieu est avec toi. L'onction que Saül a reçue, lui a travaillé dans ces trois dimensions. Ça lui a donné un autre cœur, ça lui a donné des capacités, et ça établit Dieu, ça établit le règne de Dieu, ça établit la présence de Dieu avec lui. Donc quand on dit que la troisième dimension, c'est quand vous avez Dieu avec vous. C'est quand vous avez la présence de Dieu qui vous accompagne quelque part. C'est quand vous êtes sûr que vous n'êtes pas seul dans un endroit, que vous sentez qu'il y a quelque chose qui est avec vous, il y a quelque chose qui marche avec vous. La Bible parle du peuple d'Israël, lorsqu'il quittait l'Égypte, la Bible dit que le matin, Dieu était devant eux dans une colonne de nuée, et puis le feu, le soir, Dieu était avec eux dans une colonne de feu. Amen. Il était dans une colonne de nuée et à plus tard dans une colonne de feu. Je t'ai dit de rester avec l'enfant là, s'il te plaît. Elle est là-bas. Elle est là-bas. Amen. Donc, faut rester avec. Faut que je revienne à mon message. Quelqu'un l'a dit yes. Yes. C'est hier. Yes. C'est hier. Alors, donc, la Bible parle du peuple d'Israël. Et la Bible dit que le matin, il était dans une colonne de nuée. Et le soir, ils étaient dans une colonne de feu. Amen. Une chose est certaine, c'est que le peuple d'Israël n'était pas seul. Dieu était avec lui. Amen. Et c'est cette troisième dimension-là que je vais vous enseigner. Allons-y ensemble dans le livre de Actes au chapitre 10. Lisons ensemble le verset 38. La Bible dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force le Seigneur Jésus qui allait de lieu en lieu, qui guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du malin. Amen. Il dit qu'il faisait du bien et qu'il guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du malin, car Dieu était avec lui. Actes chapitre 10, verset 38. Donc, il allait de lieu en lieu, il faisait du bien aux gens, il guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du malin. Il dit, car Dieu était comment? Car Dieu était avec lui. Alors, comment on peut ressentir ou bien comment on peut savoir que l'onction est avec quelqu'un ou bien Dieu est avec quelqu'un? Ou bien, qu'est-ce que Dieu fait lorsqu'il est avec quelqu'un? Comment on peut voir que Dieu est avec quelqu'un? La première chose que je veux vous enseigner ce matin, c'est la conduite. C'est comment? La conduite. Quand le Saint-Esprit est avec quelqu'un, le Saint-Esprit le conduit. Et je bénis Dieu pour cet exemple qu'il m'a donné avec le peuple d'Israël, parce que le matin, ils étaient conduits à travers une colonne de nuée, et le soir, ils étaient conduits à travers une colonne de feu. Amen. Donc, l'un des premiers boulots que le Saint-Esprit fait quand il est avec toi, il te conduit. Il fait quoi? Maintenant, regarde, toute la difficulté, tout le challenge est dans ce sens que nous-mêmes, on ne sait pas où on va. Amen. Amen. On ne sait pas où on va. Oui, on ne sait pas où on va. On ne sait pas où on va. Une chose est certaine, c'est qu'on sait qu'on va arriver. Mais on ne sait pas par quel chemin on va passer. On ne sait pas quelle est la voie exacte. C'est pourquoi celui qui n'a pas cette dimension de l'onction dans sa vie et dans sa destinée ne peut pas accomplir sa destinée. Parce que toi-même, tu ne sais pas trop ce que tu dois être sur cette terre. Tes parents même ne savent pas trop ce que tu dois être sur cette terre. Il est arrivé plusieurs fois à des carrefours de ta vie où tu ne savais même pas quelle orientation prendre. Tu ne savais pas quelle décision prendre. Tu ne savais pas s'il fallait aller en seconde C, s'il fallait en seconde A, s'il fallait marier tel homme, s'il fallait marier tel autre homme, s'il fallait marier telle sœur, s'il fallait... Tu vois, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu ne connais pas la vie. La vie, ce n'est pas quelque chose qu'on a déjà vécu. Et puis, on vient, on dit, non, je sais comment la vie fonctionne. Et quand tu vas dans la vie, tu fais comme ça, tu fais comme ceci, tu fais comme cela, tu fais comme cela. Ce qui est étrange, c'est que nos expériences ne se reproduisent pas. Donc, ce que Dieu a fait pour moi ne va pas forcément marcher pour toi. Tel que Dieu a été avec moi ne va pas forcément être la même chose avec toi. Donc, vouloir appliquer dans ta vie les mêmes choses que Dieu a fait, ça ne va pas te donner forcément les mêmes résultats. Et raison pour laquelle tu dois chercher toi-même de façon particulière à être conduit dans le sentier que Dieu a pour toi, dans le chemin que Dieu a pour toi. Est-ce que vous savez que nos ADN peuvent se ressembler, mais nous n'avons pas les mêmes ADN? Amen. Mon ADN est différent de l'ADN de mon père. Il n'y a aucun de mes enfants qui a le même ADN avec moi. On peut retrouver une partie de mon ADN dans leur sang, mais leurs ADN sont différents. Ça veut dire que si nous sommes différents sur cette terre, nous avons différentes voies, nous avons différents chemins. Donc, je ne peux pas te montrer ton chemin. Je peux te dire que ton chemin ressemble à cela, mais je ne peux pas t'indiquer trait pour trait ton chemin. Je peux te dire que ton chemin va passer par là, mais je ne peux pas te dire que dans ton chemin, tu vas rencontrer A, tu vas rencontrer B, tu vas rencontrer
pressé. La seule personne susceptible de te dire qu'est-ce que ton chemin sera et comment est-ce que ton chemin sera, c'est celui qui t'a créé. C'est pourquoi il doit marcher avec toi. C'est pourquoi il doit être présent avec toi. C'est pourquoi tu ne dois pas t'hasarder à emprunter cette vie-là seule. Écoute-moi bien. Ce serait de l'orgueil que de croire que tu connais tous les choix. Ce serait de l'orgueil de croire que tu connais toutes les voies. Ce serait de l'orgueil de croire que, oh, moi, je sais comment ça marche. Non, même moi-même, je ne sais pas comment tout marche. Je ne sais pas comment tout marche. C'est pourquoi Dieu doit être avec toi. La première dimension de l'onction avec toi, si vous voulez, le premier travail de l'onction avec toi, c'est qu'il te conduit. Il fait quoi? Il te conduit. Maintenant, regarde, tu peux penser qu'un chemin est bon selon tes ressentis, selon ton expérience, alors que le chemin n'est toujours pas bon. Allons-y ensemble dans le livre de Actes des Apôtres. Nous sommes au chapitre 16, le verset 6. Ce matin, je sens une onction particulière et je veux que les gens n'écoutent pas mon message simplement en recevant les paroles qui sortent de ma bouche, mais en ouvrant le cœur parce qu'il y a quelque chose que le Saint-Esprit veut communiquer à quelqu'un. J'ai dit, il y a une présence que le Saint-Esprit veut communiquer à quelqu'un. Regardez, il dit, ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, il traversait la Phrygie et le pays de Galatie. C'est un verset que j'aime beaucoup soulever lorsque je parle de la direction divine et de la conduite du Saint-Esprit. Et écoutez-moi bien, est-ce une mauvaise chose d'annoncer la parole de Dieu? C'est une bonne chose. Dieu même nous dit d'annoncer la parole de Dieu partout. Hein? Paul a dit, il a dit à Timothée, annonce la parole dans des opportunités, dans des occasions favorables ou pas. Mais ici, la Bible dit que Paul s'apprêtait à annoncer la parole dans l'Asie, mais le Saint-Esprit l'a empêché. Donc une chose peut paraître bonne pour toi, mais dans la saison dans laquelle tu es, ce n'est pas la chose à faire. Ce n'est pas la chose à faire. Une chose peut paraître bien pour toi. Une chose peut paraître normale. Une chose peut paraître sage pour toi. Mais dans la saison, ce n'est pas ce que tu dois faire. En fait, il y a ce que Dieu a pour toi qui est meilleur. Ou bien il y a autre chose que Dieu a pour toi. Combien de fois nous ne nous sommes pas laissés en diriger par nos émotions? Combien de fois on n'a pas laissé l'expérience de quelqu'un nous conduire? Combien de fois on n'a pas laissé quelque chose qui semblait seulement être bon, hein, nous diriger dans nos actions? La Bible dit qu'ici, le Saint-Esprit a empêché Paul et Silas, Paul et son frère, de pouvoir s'engager dans cette mission. Va plus loin, le verset 7. Next verse. Il dit, arrivé près de la Mysie, ils se disposaient à entrer dans la Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Et regarde, tu n'as pas pris l'habitude d'interroger le Saint-Esprit. Sinon, tu allais réaliser qu'il y a des choses que le Saint-Esprit ne te permet pas de faire. Tu n'as pas pris l'habitude de te disposer pour dire, Saint-Esprit, est-ce que tu veux que j'aille dans tel chemin? Est-ce que tu veux que j'aille dans telle voie? Tu n'as pas pris l'habitude de chercher. Sinon, tu allais voir qu'il y a des choses que le Saint-Esprit ne permet pas. Maintenant, regarde, c'est pas parce que ça arrive que le Saint-Esprit a quand même permis. C'est pas parce que ça arrive que le Saint-Esprit a quand même voulu. Tu vois, souvent on dit que tout ce que Dieu fait est bon. Non, tout ce que Dieu fait est bon, mais ce n'est pas tout ce qu'on fait qui est ce que Dieu veut. Il y a des choses que nous faisons qui relèvent normalement et totalement de notre volonté, alors que Dieu a quelque chose de meilleur. Maintenant, regarde, Dieu n'est pas engagé dans ce que tu décides de faire, mais Dieu est engagé dans ce qu'il t'amène à faire. Ça veut dire que tu peux aller, ça va te réussir. Mais si tu vas parce que Dieu t'a dit d'aller, ça va te réussir forcément. Il dit que l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. On n'a pas pris la peine d'interroger celui qui marche avec nous pour dire, est-ce que tu permets que j'aille là? On n'a pas pris l'habitude d'interroger celui qui marche avec nous pour dire, est-ce que tu autorises que j'aille là? Verset 8, next verse. Il dit, il franchit alors la Mysie et il descendit à Troas. Verset 9, pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secoue-nous. Verset 10, il dit, après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Donc, ce que Dieu voulait pour Paul, ce n'était pas l'Asie. Ce que Dieu voulait pour Paul, ce n'était pas la Phrygie. Ce que Dieu voulait pour Paul, ce n'était pas la Mysie. Ce que Dieu voulait pour Paul, c'était la Macédoine. Vous allez voir plus tard qu'il y a beaucoup de versets qui sont écrits sur la Macédoine parce que ça a été comme un peuple que,
que Dieu avait donné à Paul. C'était un peu comme Dieu avait disposé pour Paul. Mais avant que Paul n'arrive là, il a fallu que quelqu'un lui montre la voie. Il a fallu que quelqu'un lui montre le chemin. Je suis persuadé que quand Paul ne connaissait pas la Macédoine avant d'y être. Alléluia. Ça veut dire que si on laisse le Saint-Esprit opérer dans notre vie, cette dimension de son ministère, nous n'allons jamais nous perdre. Nous allons arriver dans nos territoires de faveur et nous allons posséder les trésors et les richesses qui appartiennent ou bien qui sont dans les terres que Dieu a prévues pour nous. Tu n'es pas encore arrivé dans ton chemin. Tu n'es pas encore arrivé dans ton territoire de faveur parce que tu n'as pas laissé le Saint-Esprit te conduire. Tu n'as pas laissé le Saint-Esprit te conduire. Écoutez-moi bien. En 2002, exactement le 8 octobre 2002, nous sommes dans le mois anniversaire. Nous avons fui Boaké, ma mère, mon petit frère, ma petite soeur, ma cousine et ma tante et mon frère. Nous avons fui la ville de Boaké. En fait, ma maman disait chaque matin quand on tirait la nuit, elle dit, on va partir le matin. Elle dit, on va partir le matin. Et chaque fois, je posais cette question à maman. Je dis, est-ce que tu connais la route pour aller à Abidjan? Parce que monter dans un KUTB pour aller à Abidjan, c'est différent de marcher dans la brousse pour arriver à Abidjan. Alléluia. Donc chaque fois que je lui posais cette question-là, elle avait la réponse, c'est qu'elle ne connaissait pas la voie, elle ne connaissait pas le chemin. Et c'est ce qui faisait qu'elle... Mais le jour où on a dit qu'on a libéré Boaké, ce jour-là, il y a eu des combats de 16h jusqu'au lendemain matin. Et ma maman n'a pas pu tenir. Elle est partie aux toilettes plusieurs fois. Elle est venue me réveiller à 8h30. Elle dit, il faut qu'on parte aujourd'hui. J'ai dit, ok. Cette fois-ci, je n'avais pas de mots pour dire à ma maman qu'on ne peut pas partir. Je suis juste descendu de mon lit, j'ai lavé mon visage, j'ai porté des chaussures fermées et j'ai juste pris, je ne sais pas, moi, j'ai rien pris. Donc, elle s'était déjà apprêtée. Et j'ai dit, bon, allons, tu as pris l'argent, tu as pris ce qu'il faut. J'ai dit, allons. Et quand on est sorti de la maison, la première difficulté qui s'est présentée à nous, c'est que, oui, il fallait partir. On était devant un carrefour. Et à ce carrefour-là, il y a une double cabine. Tu vois, les rebelles, ils sont sur une double cabine comme ça. Il y a quelqu'un qui est derrière, une bâchée. Et puis, ils sont venus juste tourner devant nous. Et ils ont tiré. Quand ils ont tiré, ma mère a changé de voix. C'est-à-dire, ce n'était plus la voie d'Abidjan qu'on avait prise. Maintenant, je crois qu'on partait vers Sakassou ou bien vers Béoumi. Donc, j'ai dû l'arrêter. J'ai dû arrêter ma maman pour dire, maman, est-ce que tu veux qu'on parte à Abidjan une fois? Maman, est-ce que tu veux qu'on parte à Abidjan deux fois? Maman, est-ce que tu veux qu'on parte à Abidjan trois fois? Elle dit oui. Et puis maintenant, j'ai dit, bon, dans ce cas, j'ai appris quand on était à l'école primaire qu'il y a une voie ferrée. Tu connais la voie ferrée? La même voie ferrée, là, ça quitte à Bobo Dioulasso. André, ça quitte un peu plus loin même. Ça quitte à Ouaga, Bobo Dioulasso, ça rentre à Ferke, ça vient jusqu'à... Ça arrive à Abidjan. Donc, comme je sais qu'à Boaké, il y a une voie ferrée, c'est que c'est la même voie-là qui passe par Boaké et qui arrive à Abidjan. Donc, allons-y et on va suivre simplement les rails. Peut-être que par la grâce de Dieu, on va arriver à Abidjan. Et donc, on a commencé... On a cherché la voie par les rails et on a trouvé les rails. On a commencé à marcher sur les rails. Mais la difficulté avec les rails, c'est que tout le monde fuyait par là. Donc, en fait, tout le monde passait par là, les bons comme les méchants. Alléluia. Donc, on entendait quelqu'un venir à travers les rails, on se cachait. Ça fait que ça nous ralentissait. On entend quelqu'un qui passait sa moto, on se cache dans la brousse. Arrivé un moment, on a vu que la voie des rails, ça allait peut-être on allait peut-être arriver, mais ça allait nous prendre du temps. Et ce jour-là, après, on a trouvé deux messieurs qui avaient une carte. Ils avaient quoi? Une carte. Est-ce que vous avez... J'ai l'impression que vous aimez mon histoire. Ils avaient une carte. Et sur la carte, on leur disait, quand vous arrivez là, tu passes comme ça, tu passes là. Sauf qu'on a suivi les cartes. Arrivé un moment, il y avait un carrefour qui n'était pas sur les cartes. Donc, on ne savait pas où on allait partir. Parce que si ce carrefour était là, leur carte nous aurait dit, bon, allez tout droit ou bien allez derrière. Donc, on ne savait vraiment pas où partir. On a juste tendu l'oreille comme ça pour dire, on entend des cris là. Et puis, on est rentré dans un village. Quand on est rentré dans un village, les gens maintenant nous ont demandé les nouvelles. On dit non, on est en train de fuir Boaké, ils nous ont donné de l'eau. Ils disent, ok, si vous fuyez Boaké, on va vous emmener maintenant sur la voie des gens qui fuient Boaké. Et ils nous ont fait passer dans la brousse, on est passé par la brousse, par la forêt, et on est arrivé sur une grande voie. Il y avait des gens devant, il y avait des gens derrière. Alléluia. Maintenant, voici ce que Dieu va faire qui va nous impressionner. C'est que nous, on a quitté Boaké à 9h pratiquement. Et on a trouvé sur cette voie-là des gens qui avaient quitté Boaké depuis 4h du matin. Ça veut dire nous, on avait marché 2h à peine. Mais on a trouvé des gens qui marchent depuis plus de 5h de temps. Donc, c'est un peu comme si Dieu nous a fait connaître un raccourci. Le point le suivant, c'est qu'on ne connaissait pas la voie. On ne connaissait pas le chemin.
Je suis en train de vous dire que beaucoup de personnes se perdent dans la vie parce que de laisser Dieu les conduire, ils laissent leurs impressions, ils laissent des cartes qu'on leur a données, ils laissent leurs sentiments les conduire. Vous devez laisser le Saint-Esprit opérer en vous cette dimension de sa présence. Ou vous ne bougez pas parce que vous devez bouger, mais vous bougez parce que vous sentez que le Saint-Esprit vous dit de bouger. Il m'est arrivé, ma femme aujourd'hui l'a accepté. Moi je peux dire demain on va à Abidjan, puis on se réveille matin, je dis non on ne bouge plus. Je peux dire que tout à l'heure à 15h on va à la piscine, et puis à 15h moins, je dis non on ne bouge plus. Parce que je ne me laisse plus maintenant diriger par mes émotions ou même par les rendez-vous que j'ai arrêtés avec les gens. Mais si je sens dans mon esprit que je ne dois pas partir parce qu'il y a quelque chose de mauvais qui m'attend en chemin, ou bien je dois rester parce qu'il y a quelque chose de bien qui m'attend là, je reste simplement. Je ne suis plus libre de mes actions et libre de mes décisions. En fait, mes actions et mes décisions appartiennent au Saint-Esprit. C'est seulement à cette dimension-là que quelqu'un peut prendre des raccourcis dans la vie, arriver plus tôt et souvent atteindre les objectifs que le Seigneur a pour lui. Je veux dire à quelqu'un, tu dois arrêter de laisser tes émotions te conduire. Donc, la première dimension de la conduite de l'Esprit, c'est quand il nous conduit de lieu en lieu. Il nous conduit de quoi? De lieu en lieu. Il nous conduit de lieu en lieu. Écoutez, pour être ici, on a eu la direction du Saint-Esprit. Pour être ici. Et quand le ministère devait commencer, on était en 2016, j'interrogeais le Saint-Esprit. Je lui ai dit, moi je pense qu'on peut louer une villa, hein, qu'on va récupérer, une partie sera les bureaux, une autre partie sera le temple qu'on va construire. Ou je pense qu'on peut louer une salle tous les dimanches, et j'ai déjà vu ça. Et j'ai interrogé le Saint-Esprit pour dire non, ne laisse pas ce que je pense être la décision que je vais arrêter. Ne laisse pas ce que je pense être le lieu où nous allons partir. Mais montre-moi la voie. Et je crois qu'au bout de quelques jours, j'ai entendu le Saint-Esprit me dire, this is the place, c'est l'endroit, c'est ici que ça doit être. J'ai dit, ah, c'est dans la maison ici que le temps va commencer, l'église va commencer. Et j'ai interrogé le Saint-Esprit, qui accepterait de venir écouter quelqu'un comme moi? Fut-il envoyé de Dieu? Aujourd'hui, 5 années après, c'est un témoignage. Un temple est construit, des bureaux sont établis. Voyez-vous, on n'a pas laissé les impressions, on n'a pas laissé les émotions. Mes émotions même étaient contre la direction de Dieu. Mais Dieu voulait que ça soit cet endroit. Dieu voulait que ça soit ce lieu. Est-ce que ici, c'est le lieu dans lequel Dieu t'a conduit? Si c'est le lieu dans lequel Dieu t'a conduit, tu ne devrais pas partir. J'ai dit, si c'est le lieu où Dieu t'a conduit, tu ne devrais pas partir. Le Saint-Esprit nous conduit de lieu en lieu. Tu sais, tout l'intérêt et toute la problématique dans cette conduite-là, c'est que Dieu est partout, mais Dieu ne se révèle pas partout. Tout l'intérêt et toute la problématique de ce point-là, c'est que Dieu ne bénit pas partout. La bénédiction, c'est Dieu qui la donne, mais il y a des territoires dans lesquels tu es béni. Il y a des territoires où ton nom est inscrit. Il y a des territoires où ta destinée est. C'est pourquoi le peuple d'Israël, quoi qu'ils étaient en Égypte, conduits par Joseph plutôt, leur destinée n'était pas là. Leur destinée était à Canaan. Il fallait pour eux quitter l'Égypte pour rentrer à Canaan. Chacun de nous doit pouvoir identifier son Canaan. Maintenant, le Canaan n'est pas sur une carte géographique pour dire non, je pars comme ça, je pars ceci. Non, le Canaan est sur une carte spirituelle. Et c'est le Saint-Esprit qui amène quelqu'un à atterrir dans son territoire de faveur, atterrir dans son territoire d'héritage, atterrir dans son territoire qui lui est promis. Tu peux être partout, mais tu ne seras pas béni partout. Hey, Dieu est omniprésent, mais Dieu ne parle pas partout. Regardez dans l'histoire, regardez dans l'histoire. Il a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit devait descendre, mais il devait descendre particulièrement dans une ville. Le Saint-Esprit devait descendre, mais il devait descendre. Tu vois, s'ils avaient laissé Jérusalem, qu'ils étaient en Galilée, le Saint-Esprit serait descendu sur d'autres personnes, mais pas sur eux. Donc quand on n'est pas dans notre territoire indiqué par l'Esprit, il y a beaucoup de choses qu'on manque. Il y a beaucoup de choses qui passent à côté de nous. Ta bénédiction est rattachée à un territoire. Si tu crois que ce lieu est ton lieu de bénédiction, tu ne devrais pas le quitter. Regarde, c'est pourquoi je bénis Dieu pour ceux qui voyagent. Je bénis Dieu pour ceux qui prennent l'avion. Mais qui te fait croire que toi, tu seras béni à Paris? Qui t'a dit que tu es forcément obligé d'aller aux États-Unis pour percer? Non, qui t'a dit que c'est forcément obligé que tu sois à Paris pour percer? Je crois qu'on peut être à Dabou et être un milliardaire. Je reste persuadé dans mon cœur que si Dabou est ton territoire de faveur, tout le monde peut être pauvre autour de toi et tu seras quand même riche. Hey, la Bible dit que Isaac, quand la famine est venue, Isaac voulait fuir en Égypte. Le Seigneur lui a dit non, ne fuis pas en Égypte. Au temps de ton père Abraham, quand la famine est arrivée, je lui ai dit de partir en Égypte. Mais Abraham, ce n'est pas toi. Quoi que tu sois sorti d'Abraham, Abraham a son histoire, toi aussi tu as ton histoire. Tu n'iras pas en Égypte, mais tu iras à Guéra. La Bible dit que lorsqu'Isaac est arrivé à Guéra, tout
le monde a ensemencé, mais personne n'a moissonné. Quand Isaac a semé sa semence, la Bible dit qu'il a moissonné le centuple. Pourquoi il a moissonné le centuple? Parce que Dieu a ordonné à la terre d'être une terre de bénédiction pour lui. Parce que Dieu l'a conduit là. Écoutez-moi bien, il n'est pas maintenant lui-même livré à lui-même, mais Dieu est tenu d'honorer sa parole parce que je ne suis pas là parce que je veux. Je suis là parce que Dieu m'a dit d'être là. Je ne suis pas là parce que j'ai décidé. Je suis là parce que Dieu a décidé. Et si Dieu a décidé, c'est son engagement de me faire prospérer sur cette terre. Écoutez, quand vous laissez le Saint-Esprit vous conduire, vous luttez moins sur la terre. Quand vous laissez le Saint-Esprit vous conduire, vous luttez moins sur la terre. Vous luttez moins. Nos luttes viennent parce que nous nous conduisons nous-mêmes. Nos difficultés viennent parce que nous décidons nous-mêmes. Maintenant, regarde, un territoire peut paraître bizarre, mais c'est quand même là où tu vas élever un château. Un territoire peut paraître compliqué, mais c'est quand même là que tu vas. Souvent, on regarde tout ce qui se passe autour de nous pour décider d'être là ou pas. Les autres peuvent échouer, mais aussi longtemps que c'est ton territoire de faveur, aussi longtemps que c'est Dieu qui te conduit là, toi tu vas réussir. Qu'est-ce qui te dit que ta vie doit être la photocopie ou bien la vie des autres doit être la photocopie? Non, il y a ce que Dieu a décidé pour toi et il y a ce que les autres ont décidé pour eux. Tu ne marches pas parce que tu as envie de marcher, tu marches parce que Dieu te conduit. Tu vois, c'est ici que Dieu t'a conduit. C'est ici que Dieu t'a conduit. C'est ici que Dieu t'a conduit. Ici, là, c'est chez toi. Ne laisse pas la laideur de ce lieu te faire croire qu'un roi ne peut pas émerger d'ici. Ne laisse pas, surtout ce qui se passe autour de toi, te donner l'impression que non, non. C'est ton territoire de faveur. La deuxième dimension de la conduite, c'est que c'est au niveau où on doit décider. Et ce n'est pas rattaché à un lieu, mais c'est rattaché à ce qu'on décide de faire. Décide de faire. Je crois qu'à ce niveau-là, nous sommes beaucoup à nous tromper. Vous savez, récemment, j'étais en train d'étudier la possibilité d'ouvrir l'église à Abidjan. On est parti voir une salle où on devait faire le lancement avec certains pasteurs. On a fait la créa et tout ça. Et j'ai dit au Saint-Esprit, vous savez, j'ai appris à interroger le Saint-Esprit. Il y a des choses que vous pouvez sentir dans votre cœur de faire, sans que ça ne soit le moment de faire. Oh oh. Le Saint-Esprit peut te donner une vision, mais ce n'est pas le moment de son accomplissement. Le Saint-Esprit peut te donner un songe, et puis un songe dont l'accomplissement va arriver 20 années après. Entre le moment où Joseph reçoit son songe et son accomplissement, la Bible dit que 13 années s'écoulent. 13 années s'écoulent. Donc le Saint-Esprit peut mettre quelque chose dans ton cœur maintenant, mais qui n'est pas à faire maintenant. Aïe, kamasubra. Nous, notre problème aussi, dès qu'on le voit en vision ou dès qu'on le reçoit en cœur, c'est que c'est fini. Le lendemain, ça doit marcher. C'est que le lendemain, on doit faire. Masi brande dosu. Dès qu'on le voit en rêve, dès que quelqu'un... En même temps, c'est fini. Il y a beaucoup de personnes qui sont frustrées parce qu'il y a une prophétie qu'on leur a donnée qui ne s'est pas encore accomplie. Papa a dit ça en janvier, papa a dit ça en ceci, papa a dit ça en cela. Écoute-moi bien. There is a time. Il y a un temps marqué pour la prophétie. Il y a un temps marqué pour la prophétie. Écoute-moi. La Bible dit que le travail de la prophétie, c'est d'activer en toi l'espérance. C'est comme une lumière qui te permet de voir dans les ténèbres. Tu vois, tu es dans un moment difficile de ta vie, mais il y a une prophétie qui fait qu'il y a quelque chose que tu vois. Il y a quelque chose qui vient t'éclairer. Tu sens que c'est difficile, mais il y a quelque part où tu vas partir. C'est ça la prophétie. Maintenant, il y a un temps où ce que Dieu t'a dit va se réaliser. C'est pas parce qu'une prophétie a sonné aujourd'hui que le lendemain s'accomplit. Hey, entre 75 ans et 100 ans pour Abraham, 25 années se sont écoulées pour voir une prophétie être manifestée. Les missions, écoutez-moi bien. Voici le problème, voici le lieu où on se trompe beaucoup. Donc pour revenir à mon histoire, j'étais en train d'interroger le Seigneur. J'ai dit, je dois me retirer parce que je ne veux pas. Vous savez, beaucoup de combats dans nos vies viennent de ce qu'on ne prend pas les bonnes décisions. On est là où on est à cause des choix qu'on a fait il y a 10 ans, il y a 20 ans. Donc si on peut changer ou bien si on peut faire les bons choix aujourd'hui, on ne sera pas là où on est maintenant. Alléluia. Chacun de nous est là où il est à cause des décisions qu'il a prises il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Ce n'est pas le diable, mais c'est les choix que tu as fait. Les différents choix que tu as fait. D'être avec telle personne, de travailler là, d'aller dans telle école, d'aller. Tu as toujours eu le choix, mais tu as fait le choix que tu voulais. C'est tes choix qui t'ont amené là. Maintenant, ce que je sentais te dire, hein, si tu peux laisser le Saint-Esprit maintenant inspirer tes choix, inspirer tes décisions de maintenant, tu verras que ta vie sera ailleurs. Dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans. Donc, j'ai fait un songe. Dans le songe, voici ce qui s'est passé. C'est dans ces saisons.
Dans le songe, je devais aller à l'école. Et j'ai pris mes affaires. J'étais le premier arrivé en classe. Je crois qu'il y avait un devoir, quelque chose comme ça. J'ai déposé mes affaires. J'étais le premier arrivé. J'ai déposé mes affaires bien. Et puis j'ai dit, bon, comme le temps n'est pas encore arrivé, je vais aller me balader un peu, saluer les gens. Et j'ai commencé à saluer les gens. J'ai commencé à me promener. J'ai commencé à saluer les gens. J'ai commencé à me promener. Et j'ai même vu un homme de Dieu que j'aime beaucoup dans mon songe. Je l'ai vu, il était dans un rang. André voulait rentrer dans sa classe pour composer. Et ce qui est étrange, c'est que chaque fois qu'on se voit, on prend le temps de discuter. Mais cette fois-ci, quand on s'est vu, il m'a juste dit bonjour, il dit ah, ça va. Et puis il s'est concentré sur ce qu'il était. Et moi, je passais mon temps à dire bonjour à tout le monde. Je disais bonjour, bonjour. Ouais, c'est comment. Quand j'ai fini de dire bonjour, que je suis arrivé dans ma salle de classe, la composition était finie. C'est comme si moi qui suis venu le premier, je me suis retrouvé en retard. Et le Saint-Esprit m'a dit que si tu vas partout, si tu fais tout, je ne sais pas comment vous le dites en français. If you do everything, tu arriveras nulle part. Tu arriveras nulle part. Il dit, tu vois, tout ce que tu as fait, c'est bon. Sauf que il y a un temps pour chaque chose. Tu devrais être concentré dans cette saison-là pour la croissance de l'Église. Et puis planifier dans une autre saison pour ce que tu veux faire. C'est-à-dire, je n'ai pas eu besoin d'appeler quelqu'un, j'ai compris ce que le Seigneur voulait me dire. J'ai fait quoi? J'ai compris ce qu'il voulait me dire. Quand le Saint-Esprit vient, il t'amène à prendre des décisions. Il t'amène à prendre... Écoutez-moi bien, je vous ai dit que le silence de Dieu n'équivaut pas à son approbation. Quand Dieu ne parle pas, ça veut dire qu'il, ça veut pas dire qu'il est d'accord. Les hommes disent que celui qui dit pas, qui ne dit pas mot consent. Non, ça ne marche pas avec Dieu. Quand Dieu ne parle pas, ça veut dire que où tu es, reste tranquille. Écoutez-moi bien, on doit apprendre à écouter Dieu avant de bouger. On doit apprendre à écouter Dieu avant de décider. On doit apprendre à écouter Dieu avant de faire notre choix. Et quand le Saint-Esprit est avec quelqu'un, il aide justement à décider. Il aide justement à faire le choix. Si ça ne tenait qu'à Paul, Paul serait allé en Asie. Si ça ne tenait qu'à Paul, il serait allé en Phrygie. Si ça ne tenait qu'à Paul, il serait rentré dans la Bithynie. Mais Paul a compris que souvent, ce qui détermine le succès, ce n'est pas simplement mon expérience ou bien la qualité de l'action, mais c'est est-ce que le Saint-Esprit est avec moi dans le choix et dans le lieu. Et Paul, la Bible dit que Paul a laissé le Saint-Esprit lui donner une vision. C'est à partir de ce sens qu'il a décidé de rentrer en Macédoine. À partir de quoi tu prends les décisions? À partir de quoi tu décides? À partir de quoi tu t'engages dans telle ou telle chose? À partir de quoi tu t'engages? À partir de quoi tu décides? Le problème, c'est que ce que tu vois en train de fleurir maintenant, ça peut sécher demain. Et ce que tu vois en train de sécher maintenant, ça peut fleurir demain. La Bible dit que le Saint-Esprit sonde les profondeurs. Ça veut dire qu'il te fait voir ce que toi, tu ne peux pas voir. La Bible dit que le Saint-Esprit connaît la pensée de Dieu. Ça veut dire que ce que Dieu pense dans une saison, lui, il sait. Toi, tu peux voir des choses correctes et puis dire, je pense que Dieu... Non. Dieu peut penser le contraire de ce que tu vois. Et la Bible dit justement, les voix de Dieu sont au-dessus de nos voix. La Bible dit que les pensées de Dieu sont au-dessus de nos pensées. Ça demande être spirituel pour capter la pensée de Dieu. Simplement regarder certains indicateurs pour dire, oh, dans telle saison, je devrais faire ça. Dans telle saison, c'est pas ça qui garantit le succès. Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui te conduit dans la décision? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui te conduit dans la décision? Tu ne devrais pas t'engager dans quelque chose comme le mariage sans avoir pris le temps de chercher Dieu. Tu ne devrais pas t'engager dans quelque chose comme le ministère si tu n'as pas pris le temps de chercher Dieu. C'est pas parce que le ministère réussit dans la main de certains jeunes que quand si tu es jeune, tu vas commencer une œuvre de Dieu. C'est pas parce que le ministère réussit dans les mains de jeunes femmes que comme toi aussi tu es jeune femme, tu vas commencer une œuvre de Dieu. Ça devait prendre le temps pour toi de prier, de chercher la volonté de Dieu. Quelqu'un va dire, oh, si lui fait ça, c'est que moi aussi je peux faire. Qui t'a dit? Au stade où on est, le succès n'est pas garanti par nos capacités. Non, le talent seul ne suffit pas. Il faut une orientation divine pour nous amener dans notre territoire de faveur et nous amener à faire les choix qu'il faut faire. Sinon, le talent seul ne réussit pas. Combien de personnes vous connaissez qui ont été talentueux et qui n'ont pas abouti quelque part? Hier, j'ai regardé un documentaire. On dit les 10 footballeurs dont le talent n'a envoyé nulle part. Ils n'ont pas réussi malgré leur talent. 10 footballeurs. Je ne dirais pas leur nom. Mais pour ceux qui regardent le football, je ne sais pas si vous avez connu quelqu'un comme Rubinho. Il s'est éteint. Vous avez connu quelqu'un comme Johan Gokuf. Il s'est éteint. Le talent, lui, ce ne suffit pas. J'ai vu un autre documentaire où on a dit, voici les joueurs qui, lorsqu'ils ont quitté le Real de Madrid, ont percé dans leur carrière. Le Real de Madrid, c'est le meilleur club de football au monde. C'est le club qui a remporté. Est-ce que les footballeurs sont là? Est-ce qu'il y a des gens qui regardent la Champions League ici?
Alors, donc Real de Madrid, c'est le club qui a remporté le plus de Champions League. Ce que je dis, c'est faux. Je crois qu'ils sont allés 11e ou bien 12e, 14e. Oh, moi, ici derrière. Ils sont là, ils sont vraiment là. Ils sont vraiment... Mais regarde, il y a des joueurs, ils sont arrivés au Real de Madrid, ils n'ont pas percé. C'est qu'ils ont quitté le Real de Madrid qu'ils ont été révélés. Où tout le monde cherche à aller là. C'est pas là-bas, eux, ils doivent. C'est un joueur, par exemple, Eto'o Fils. Tu ne savais pas qu'Eto'o Fils avait joué au Real de Madrid. Il a même été formé par le Real de Madrid, mais il n'a pas brillé là. Il a brillé à Barcelone. Plus tard, il a brillé à Milan. Hey, est-ce que je peux parler? Tu vois? Si on doit se regarder pour dire non, c'est le meilleur club. Si tu vas là-bas, tu vas réussir. Tu risques d'échouer parce qu'il y a des gens avant qui ont cru comme ça et qui ont échoué. Tu devrais t'interroger, est-ce que c'est là-bas que Dieu me veut? Seigneur, je suis sur le point de signer tel contrat. Est-ce que c'est le contrat que tu veux? Seigneur, je suis sur le point d'effectuer tel voyage. Est-ce que c'est le voyage que tu veux? Seigneur, je suis sur le point de m'engager avec telle sœur. Est-ce que c'est la sœur que tu veux? Seigneur, je suis sur le point de m'engager avec tel frère. Est-ce que c'est le frère que tu veux? Le Saint-Esprit rend dans notre vie ce genre de ministère pour nous amener à faire les bons choix, pour nous amener à faire les choix excellents. Combien de fois on ne s'est pas trompé sur la qualité du choix et on n'a pas été conduit dans le désastre? Combien de fois? Chaque jour, le Saint-Esprit te parle. Il te dit qu'est-ce que tu devrais faire, mais tu ne l'écoutes pas. Chaque jour, le Saint-Esprit te parle. Il te dit qu'est-ce que tu devrais faire, mais tu ne fais pas attention à ce qu'il te dit. C'est pourquoi on l'appelle l'esprit de conseil. L'esprit de quoi? Conseil. Il ne t'obligera pas à aller dans son chemin, mais il te conseillera toujours le chemin emprunté. Il ne t'obligera pas toujours à faire comme il veut, mais il te dira, dans cette saison, tu devrais faire comme ça. Dans cette saison, tu devrais faire comme ça. Tu devrais faire comme ça. Car le Saint-Esprit marche avec toi. Il marche avec toi dans cette dimension. Il te montre l'endroit, il te montre le choix. La deuxième chose, est-ce que vous êtes béni ce matin par mon message? Si tu es béni, dis yeah. Yeah. Si tu es béni, dis yeah, yeah. Yeah. La deuxième chose que le Saint-Esprit fait, quand il marche avec toi, il te permet d'agir. Il te permet de faire quoi? Oh, le grand souper, j'aime bien votre créa. Acte 10, 38. La Bible dit que, vous savez comment le Seigneur a oint d'esprit et de force, le Seigneur Jésus, qui allait de lieu en lieu, qui faisait du bien et qui guérissait. Est-ce que vous savez que, même les médecins, j'ai vu quelque part dire, les médecins soignent, mais c'est Dieu qui guérit. Les médecins soignent, mais c'est Dieu qui apporte la guérison. Souvent, mais tu fais le même traitement pour la même maladie, ça n'a aucun effet. Ouais. Ou bien la même maladie, ta soeur aussi fait le même traitement, ça n'a aucun effet. C'est un peu comme si la guérison même est problématique. En fait, la guérison ne dépend pas de ce que tu avales. La guérison dépend de celui qui est là-haut, qui dit ok. Il y a ce qu'on appelle l'effet placebo. L'effet quoi? Placebo. L'effet placebo, c'est de faire croire à quelqu'un que tu as quelque chose qui marche. Et la foi qu'il met en ça, ça lui donne la guérison. L'effet placebo, c'est des tests qui étaient réalisés dans un hôpital. Hein. Des gens qui étaient sur le point de mourir, c'est un peu comme s'ils avaient atteint des maladies et puis on leur a donné de l'eau simple. On dit non, on a mis votre médicament dedans, buvez, vous serez guéri. Et ils boivent. Le fait qu'on a dit buvez, vous serez guéri, ils ont cru qu'en buvant, ils allaient être guéris. Effectivement, la foi, ce n'est pas l'eau qui leur donne la guérison, mais c'est la foi qu'ils ont placée en ça qui apporte la guérison. Donc, pour qu'un homme arrive à guérir, ça veut dire qu'il agit dans la dimension des dieux. Il agit dans la dimension de Dieu. Quand l'onction est avec toi, tout ce que tu fais n'est pas normal. Quand l'onction est avec toi, tout ce que tu fais, les hommes s'interrogent à deux fois. Mais comment c'est possible qu'il arrive à faire ça? Comment c'est possible qu'il... La Bible dit que chaque fois que Jésus prêchait, les gens se disaient, mais d'où lui vient cette sagesse? Il ne parle pas comme les frites. Il parle comme ayant autorité. La Bible dit qu'ils envoyaient des huissiers à travers... Parce que l'onction étant avec Jésus l'amenait à opérer dans une dimension qui n'était pas une dimension humaine, qui n'était pas une dimension naturelle. Quand l'onction est avec quelqu'un, quand Dieu marche avec quelqu'un, les choses qu'il fait, ça relève de l'espoir. Les choses qu'il fait, on s'interroge, mais comment un homme normal peut faire les choses qu'il fait? Je suis venu dire à quelqu'un, tu dois marcher dans la dimension de l'espoir. Tu dois laisser le Saint-Esprit marcher avec toi pour te conduire là où tu ne pourrais pas. Et regarde, tes mains sont limitées, ta pensée est limitée, ta foi est limitée, tes actions sont limitées, mais Dieu n'est pas limité. Quand tu laisses l'onction marcher avec toi, tu commences à marcher dans la dimension des choses qui sont illimitées. Tu commences à marcher dans la dimension des choses surnaturelles. Tu commences à marcher dans la dimension où on commence à s'interroger.
ta vie est trop normale. Tu dois laisser le Saint-Esprit la rendre anormale. Ta vie est trop naturelle. Tu dois laisser le Saint-Esprit la rendre surnaturelle. Ta vie est trop normale. Ta vie est trop normale. Ta vie est trop normale. Le Saint-Esprit veut rendre ta vie anormale. Quelqu'un là qui me dise yes. Ça, c'est quand tu laisses le Saint-Esprit marcher avec toi. Il y a certains choix quand tu fais dans la vie, on dit, mais comment tu as su? Souvent, tu fais un peu le malin, tu dis, bon, sinon en réalité, tu sais qu'il y a quelqu'un qui t'a donné le secret. Je vous assure, c'est comme ça que ça marche. Quand vous venez en consultation, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? J'interroge le Saint-Esprit et je vous parle. Il y a des gens qui me regardent comme ça, ils disent, non, papa. Je vous parle. Tout ce que je dis, il y a quelqu'un qui me dit à l'oreille. C'est le Saint-Esprit. Il dit, dis ça, dis ça, dis ça, dis ça. C'est comme ça que la consultation marche. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Exactement comme ça que ça marche. Le Saint-Esprit me souffle. Je ne suis pas seul. Je suis celui qui est devant toi. Je suis celui qui te parle, c'est vrai. Mais il y a quelqu'un d'autre qui est avec moi et qui me dit de te dire certaines choses. Ouais. C'est comme ça que ça marche. Pendant que, il y a certaines personnes, pendant que je suis en train de parler comme ça, le Saint-Esprit me dit c'est des paroles qui vous concernent. C'est parce que je ne veux pas arrêter la prédication, commencer à donner des prophéties. Oui, pendant que je suis en train de vous regarder comme ça, il y a des choses que le Saint-Esprit me dit. Il y a des choses. Quelqu'un veut provoquer ça? Amen. Amen. Écoutez-moi bien. La vie dans laquelle nous sommes là, les hommes normaux n'ont pas de place. La vie dans laquelle nous sommes, les hommes naturels n'ont pas de place. Aujourd'hui, la concurrence est tellement rude qu'il y a quelque chose que tu dois avoir en plus. C'est pourquoi certaines personnes vont chez les marabouts. C'est pourquoi certaines personnes vont chez les féticheurs. Parce qu'ils ont vu qu'avoir un diplôme, tout le BTS, tout le monde a ça. PhD, avant, quand quelqu'un, avant on comptait les gens, les Ivoiriens qui avaient PhD. Maintenant, tout le monde a PhD. Moi, j'ai mes promotionnaires qui ont PhD. Oui, c'est versé. Comme bon son. Maintenant, qu'est-ce qui va faire que toi, on va te choisir, on va laisser l'autre? Il y a quelque chose que tu dois transporter que les autres ne transportent pas. Il y a quelque chose que tu dois être capable de faire. Il y a des résultats que tu dois apporter que les autres n'apportent pas. C'est ça qui fait l'onction. C'est ça qui fait. Chaque fois qu'on m'invite prêcher quelque part, j'ai dit aux gens, vous ne m'avez pas invité parce que je m'habille bien. Vous ne m'avez même pas invité parce que je parle bien. Vous m'avez invité parce qu'il y a quelque chose que je transporte. Il y a quelqu'un qui marche avec moi. Et les choses qu'il me dit, les choses qu'il fait avec moi vous intéressent. Tu devrais rechercher l'onction pour que tu marches dans la dimension des espoirs. Oui, tu devrais rechercher l'onction pour que lorsque tu fais ton devoir comme ça, ton devoir est au-dessus de la moyenne. Il faut qu'on s'interroge. Un jour, on était à l'école et puis il y a un de mes amis qui est venu me dire, il dit, mais aide-moi, si toi tu te concentrais là, tu allais nous tuer. Hein? Parce qu'on ne te voit jamais étudier. Tu ne vois jamais étudier. Tu es là, mais si toi, façon de l'étudier, si tu... Non. C'est-à-dire, le gars pouvait admettre hein, que le monsieur là, ce n'était pas normal avec lui. Il y a quelque chose qu'il a que les autres n'ont pas. Maintenant, laisse-moi te dire, ce que les hommes cherchent, ce que les recruteurs cherchent, c'est des gens qui sortent de la normale. C'est des gens qui se distinguent. C'est des gens qui ne sont pas dans le lot commun. C'est des gens qui émergent. C'est des gens sur qui, c'est des gens avec qui il y a quelque chose de particulier. C'est ce que les gens cherchent. Tous ceux, tous, même dans le mariage, c'est ce qu'on cherche. Il y a beaucoup de belles femmes plus belles que toi. Il y a beaucoup d'hommes plus beaux que toi, qui ont plus d'argent que toi. Qu'est-ce qu'une femme va rechercher? Une femme va rechercher ce qui sort de l'ordinaire. Avec l'onction, tu peux ressortir de l'ordinaire. André, cette partie de mon message, vous n'aimez pas trop. Laissez l'onction travailler avec vous pour que vous puissiez faire des choses extraordinaires. Maintenant, regarde, quand l'esprit marche avec toi, j'ai fini mon message, maintenant je ne prêche pas beaucoup. Amen, hein? La troisième chose, quand l'esprit est avec toi, il rend les choses possibles. Il rend les choses comment? J'aime cette partie-là. C'est cette partie-là, moi, qui m'intéresse. C'est cette partie-là qui est mon message. Quand le Saint-Esprit marche avec toi, marche avec moi. Quand le Saint-Esprit marche avec toi, il rend les choses possibles. Il y a certains chemins devant toi qui sont fermés. Il te précède. Il va, il ouvre le chemin. Et tu passes sans avoir forcé. Pendant que tu as avancé comme ça, il y a des choses qui se passent dans ton dos. Livingstone, si Dieu pouvait nous ouvrir les yeux, hein, pour qu'on voit combien de fois les gens qui sont derrière nous sont en train de travailler pour qu'on tombe, on n'allait pas admettre. Qu'on était aussi détesté. Je te promets.
Je te promets, si Dieu pouvait t'ouvrir l'esprit pour que tu vois en une nuit toute la cohorte de sorciers de ton village qui ont fait des réunions à cause de toi, qui ont veillé à... Il y a des sorciers même qui ont pris 40 jours de jeûne à cause de toi. Si Dieu pouvait t'ouvrir l'esprit, tu ne sais pas tout ça. Parce que pendant que tu dors, il dit, je me couche et je m'endors en paix, car Dieu est avec moi. Parce que pendant que tu dors, la Bible dit que lui ne sommeille ni ne dort. Lui ne dort pas, il veille sur toi. Quand il vient, il fait comme ça. Quand il vient, il fait comme ça. Il fait comme ça. Quand toi, tu te réveilles le matin, tu bats, tu dis, oh, oh, tu ne sais pas combien de combats a eu lieu pendant que tu dormais. Tu ne sais pas combien de combats a eu lieu pendant que tu dormais. Parce que pendant que tu dormais, celui qui est avec toi est en train de veiller sur toi. Celui qui est avec toi est en train de veiller sur toi. C'est lui qui met les choses dans ton esprit. Quand tu dors, il met juste une goutte dans ton esprit. Puis tu dors, tu dis, oh, je dormais, j'ai vu telle chose. Toi, tu peux songer de toi-même. Toi, tu peux avoir un rêve. Tu sais comment faire pour avoir un rêve? C'est quelqu'un qui met un rêve dans ton sommeil. C'est quelqu'un qui met un rêve dans ta tête. Regarde, tu ne sais même pas l'heure à laquelle tu dors. Tu penses qu'il y a un bouton qu'on appuie sur toi pour que tu te réveilles? Il y a quelqu'un qui te réveille. Il y a quelqu'un qui te réveille. Il y a quelqu'un qui te réveille. Même ton réveil même ne te réveille pas. Aujourd'hui, j'étais obligé d'aller toucher Marc Aurèle pour qu'il éteigne son réveil. Son réveil a sonné de 4h jusqu'à 5h. J'ai dit, mais comment on peut dormir comme ça? Son réveil, c'est dans son oreille, mais n'entend pas. Moi, je suis dans une autre chambre. Et puis, j'entends le réveil. J'ai dit, mais ce gars, il est extraordinaire. Regarde, le point est le suivant. Tu ne peux pas te réveiller de toi-même. Même réveil ne peut pas te réveiller. C'est lui qui t'endort là. C'est lui qui te réveille. C'est pourquoi le jour où tu n'as pas réveillé, c'est fini pour toi. Tu as jamais entendu l'histoire de quelqu'un qui dit il est parti dormir, il ne s'est pas réveillé. Si tu pouvais te réveiller, tu allais te réveiller. Il allait se réveiller lui-même. C'est quelqu'un qui te réveille. Lui qui est avec toi, c'est lui qui te réveille. J'ai dit le point là, c'est le point là qui m'intéresse. C'est le point là qui m'intéresse. Quand Dieu marche avec toi, il rend les choses possibles. Regarde-moi. Avant que Esther n'arrive, il a fallu que Vachi tombe. Oui, quand Dieu marche avec toi, il y a certaines personnes qui font tomber pour que toi tu montes. Il dit, je donnerai des nations pour toi. Je donnerai des nations pour toi. Je donnerai des nations pour toi. Il y a des combats, toi, si tu ne peux pas. Tu ne peux pas t'engager dans des combats. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Il faut que quelqu'un marche avec toi. Il faut que quelqu'un combatte pour toi. C'est pourquoi son nom, c'est Jéhovah Sabaoth. Hey, regardez, vous n'avez pas lu l'histoire des histoires dans la Bible où la Bible, regardez par exemple 2 Chroniques le chapitre 20. La Bible dit que le roi Josaphat va en guerre, mais avant qu'il n'arrive là, les Maonites, les Moabites et les Ammonites qui étaient venus contre lui, la Bible dit qu'ils ont commencé à s'entretuer. Ils ont commencé à se tuer entre eux-mêmes. Tu penses que ça c'est normal? Tu penses que c'est... Il faut que quelqu'un marche avec toi pour que ce genre de choses arrivent. Les archéologues disent, quand vous regardez comment les murailles de Jéricho sont, vous avez l'impression que c'est un être surnaturel qui les a fait tomber comme ça. Vous savez, en fonction des débris, on peut savoir comment les débris sont tombés. On peut savoir si les débris sont là parce que c'est explosion. On peut savoir si les débris sont là parce que quelqu'un... Mais quand on voit les débris, les archéologues ont trouvé les débris des murailles de Jéricho. Ils disent, la muraille est tombée comme si on a poussé. Comme si on a fait quoi? On a poussé. Il a fallu que des anges soient avec Josué pour qu'il les miraille. Hey, hey. Écoutez-moi, les acclamations ont activé, ont donné le top départ aux anges. Sinon, ce n'est pas les acclamations seules qui ont fait tomber les murailles. C'est quelqu'un qui a poussé. C'est quelqu'un qui a fait quoi? Sauf qu'on ne l'a pas vu. La Bible dit que Josué, même avant de combattre, il y a un ange, un grand ange qui est venu. Il s'est mis à genoux devant l'ange. Il dit, tu es avec nous, mais tu es avec eux. Dans le combat de ta vie, tu ne peux pas être seul. Tu ne peux pas être seul. Combien de minutes tu peux te battre? Tu n'as pas remarqué qu'à partir de 5 minutes, tu es essoufflé? Tu es essoufflé. Maintenant, toute ta vie, c'est combat. Si en 5 minutes, tu es essoufflé, et 40 ans, et 50 ans, et 60 ans, 90 ans, you need help. Tu as besoin d'aide. Tu as besoin d'assistance. Tu as besoin que quelqu'un soit avec toi. Et c'est le travail de l'onction. Chaque fois, il vient, il tape à ton cœur. Il tape à ta vie. Il dit, laisse-moi diriger ta vie. Laisse-moi te conduire. Laisse-moi être avec toi. Et chaque fois, tu fais quoi? Je sais, je peux tout moi-même. Je peux faire tout moi-même. Ce matin, je me suis mis à genoux. J'ai dit, Saint-Esprit, I don't know how to preach. Oh. Je ne sais pas comment prêcher. J'ai observé que je prêche mieux quand je le laisse m'inspirer que quand je m'arrête sur mes notes pour dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quand tu laisses l'onction travailler dans cette dimension, la vie devient plus facile pour toi. La vie devient. En fait, Dieu te dévance. Il te dévance toujours. Il te montre les choses qui doivent arriver.
il t'informe des choses qui doivent arriver. Il te prépare à supporter les choses qui doivent arriver. Dans cette dimension, et ce mois d'octobre, je t'enseigne toutes ces choses-là pour que tu désignes une seule chose. Laissez le Saint-Esprit te conduire. Pour que tu désignes une chose, laissez le Saint-Esprit te remplir. Je veux que tu atteignes cette dimension-là où tu vas passer une intimité avec lui. Tu vas passer du temps avec lui. Pour dire, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Il y a des gens, ne dites pas à quelqu'un, il y a des gens qui voient leur devoir en rêve. Il y a des gens qui voient leur devoir en rêve. Il y a des gens qui voient leur devoir en rêve. Il y a des gens qui voient. Il y a des gens ici, vous avez commencé une expérience avec le Saint-Esprit. Mais vous ne savez pas que c'est le Saint-Esprit qui vous aide. Il est juste en train de me dire ça. Il y a beaucoup de personnes ici. Il y a des choses que tu vois avant que ça ne se réalise. Il y a des gens qui sont ici. Chaque fois, il y a certains événements, quand tu es dedans, tu as l'impression que tu as déjà vécu ça. Le Saint-Esprit est en train de me dire, vous êtes beaucoup ici. Il a commencé à travailler avec vous. Maintenant, vous devez lui faire confiance. Vous devez faire quoi? Le seul problème, c'est que vous avez peur de vous tromper et de passer pour un imposteur. Dis à quelqu'un, ah, j'ai vécu telle chose, je t'ai vu là. Tu as peur de le dire parce que tu ne sais pas si c'est vrai ou bien tu ne sais pas comment la personne va réagir. C'est ton problème. Tu dois dépasser ce cap-là et prendre de l'assurance pour marcher dedans. Parce que tant que tu n'as pas dépassé ce cap, le Saint-Esprit ne t'enverra pas plus loin. C'est vraiment, j'ai l'impression que c'est le CP1 de tout le monde. C'est vraiment la base, c'est vraiment le premier niveau de tout le monde. Si on peut pousser un peu plus loin, ça va nous conduire plus. Ça va nous amener encore plus haut. Amen. 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 Donc le Saint-Esprit me dit, tu devrais lui faire confiance et aller partager les expériences que tu as. Tu devrais lui faire confiance et poser des actions sur la base de ce que tu as entendu. Tu devrais lui faire confiance et partager les messages qui concernent les personnes pour qui tu as reçu des messages. C'est vraiment le premier niveau. Je vous partage mon expérience. Quand j'ai commencé à voir dans le surnaturel, voici comment ça s'est manifesté. Avant, je partais prier, je marchais avec le pasteur et un de mes pères qui me conduisait. Et il me disait, évangéliste, on va aller prier pour telle personne. J'ai dit, oui papa, j'ai compris. Et je me mets en prière, je commence à prier pour la personne. Quand je commence à prier pour la personne, le Saint-Esprit me montre la vie de la personne. Et la première fois que c'est arrivé, on devait aller prier pour un monsieur. Il m'a rien dit sur le monsieur. Et quand j'ai commencé à prier pour le monsieur, je l'ai vu avec un plâtre au pied. C'est comme si son pied était cassé. Et qu'on arrive dans la maison du monsieur en question pour qu'on puisse prier, effectivement, son pied est cassé. Oui, son pied est cassé. Donc, j'ai commencé à partager les choses que je recevais maintenant avec les parents. Moi, chaque fois qu'on était à l'église, chaque dimanche, quand le culte finit comme ça, je partage une parole à papa. J'ai dit, papa, quand tu prêchais, voici ce que j'ai vu. Quand tu prêchais, voici. Est-ce que je ne me suis pas trompé? Oui, je me suis trompé quelquefois. Mais c'est à travers mes erreurs et certaines tromperies qui sont arrivées que je me suis amélioré. Ce n'était pas dans mon message, mais le Saint-Esprit me dit, il y a beaucoup de personnes qui sont concernées par ça. Si vous avez peur de vous tromper, vous n'irez pas plus loin avec lui. Vous devez pouvoir dire, oui papa, quand tu prêchais, voici ce que j'ai vu. Il y a des choses, il y a des moments où je vais voir la même chose que toi, il y a des moments où je ne vais rien voir. Ce n'est pas tant que Dieu veut me montrer quelque chose, c'est que Dieu veut avoir une expérience avec toi. Dieu veut t'enseigner certaines choses. Il est en train de t'amener à l'école de l'Esprit de Dieu, à l'école de l'interprétation. Donc tu devrais lui faire confiance et partager les choses que tu reçois. Ouais. Juste rendu ce... un jour, mon papa, il y a trois soeurs de l'église qui sont venues à l'église pour célébrer leur anniversaire. Donc, elles ont fait à manger, donc à toute l'église. Et papa les a fait venir devant pour prier pour elles. Elles étaient trois. Et pendant que papa priait pour les trois, j'ai vu une dedans robe de mariée. Et moi, je ne savais pas. Je ne savais même pas qu'elle était fiancée. Je ne savais rien. J'ai dit, mais papa, quand tu priais, j'ai vu celle, elle était en robe de mariée. Quelques mois après, j'appelle papa parce que je suis allé voir un client à la Riviera. À la Riviera 3, il n'était pas là. Donc, quand papa à la Palmeraie, j'ai dit papa, quand je dis papa, beaucoup de personnes ne savent pas qui c'est le prophète Adamantio. Amen. Donc, j'ai dit papa, je vais venir. Tout pas. Il dit, ah oui, ça tombe bien. J'ai dit pourquoi? Il dit, oui, il y a un mariage. Je cherchais quelqu'un qui allait conduire, qui allait faire la direction. Donc, viens, tu vas faire la direction. Et moi aussi, je suis tout content, j'arrive. Et j'arrive, je dis, mais c'est quel chose qui se marie? On me fait la description, je ne vois pas trop. Quand la mariée vient, je suis surpris. En fait, pendant que je donnais la parole à papa, son mari, même, il était aux États-Unis. Son fiancé est parti aux États-Unis depuis, n'a pas donné signe de vie. Est-ce que tu vois? C'était un peu comme si, même si j'avais cette information, ça allait influencer. Parce que le monsieur n'a pas donné signe de vie. Il a doté la soeur, puis il a disparu. Il est parti aux États-Unis. Personne n'entend parler de lui. Et toi, tu vas te dire que tu as vu la soeur dans la robe des mariés. C'est quel genre de prophétie, ça? Tu vois? Mais moi aussi, je ne savais pas. Mais j'ai fait confiance à Dieu et j'ai dit ce que j'ai vu simplement. Et papa dit que le gars est venu précipitamment une nuit. Il dit que lui, il a une semaine vu faire le mariage. Je t'assure. Une semaine fait le mariage.
Et j'étais là, j'étais ébloui, ébahi de ce que Dieu peut faire. Dieu te montre tout. Dieu te montre tout. Dieu te montre tout. C'est parce que tu ne sais pas comment traiter avec. Mais on va avoir un séminaire, je vais vous parler du prophétique, les songes et les visions dans le prophétique. J'ai déjà écrit le livre, je vais partager ça avec vous. Dans l'orientation que le Saint-Esprit a donnée à Paul, c'était une vision. C'est pas ça? La Bible dit que pendant qu'il dormait, il a eu une vision. Donc beaucoup d'entre nous, le Saint-Esprit marche avec nous à travers des visions et des songes. Hein? Cette semaine encore, j'interprétais le songe d'une de mes filles. Et qu'est-ce qu'elle a dit dans le songe? Elle a vu dans son songe que elle était partie à sa dot et son mari n'est pas venu. Le docteur, c'est comme ça on dit. Le docteur n'est pas venu. Elle a interprété ça comme si son foyer avait des problèmes. J'ai dit non. Tu es déjà marié. Tu as un contrat de travail qui vient. Parce qu'une dot, c'est un contrat. Un travail aussi, c'est un contrat. Tu as un contrat de travail qui vient. Dieu t'a tout montré. C'est un peu comme si le jour où tu vas te rendre, c'est un peu comme si ton employé ne viendra pas. On devrait prier. Je suis allé chez elle en urgence pour prier. De Castille, tu fais fort, hein? Je suis allé chez elle en urgence pour prier. Beaucoup de personnes reçoivent des songes, mais n'ont pas l'interprétation de leurs songes. Beaucoup de personnes reçoivent des visions, mais n'ont pas l'interprétation de leurs visions. Il y a encore un moment, on parlait avec quelqu'un qui lui disait que, oh, on voit son mari en train de mourir, on voit son mari en train de mourir. Je dis, cette mort qu'il voit, c'est pas la mort naturelle pour dire que quelqu'un a fini. C'est que le monsieur, il est passé d'un stade à un autre. Parce que quand tu meurs, tu finis une vie, tu commences une autre vie. Donc, dans la même vie sur cette terre-là, il est passé d'un autre niveau. Effectivement, le monsieur était au chômage, il a eu un concours, il va passer une autre dimension de sa vie. Mais ça va vous aider. Amen. Je vais mettre ce séminaire à la nuit pour que je vois qui est intéressé, qui n'est pas intéressé. Amen. La bonne nouvelle, c'est que demain, on commence 5 jours de jeûne. Amen. 5 jours de jeûne et prière de déblocage. Ça s'appelle shift. Shift, c'est le changement. 5 jours où tu dois changer. Dieu m'a dit les points sur lesquels on doit prier, les points qu'on doit attaquer dans notre temps de jeûne. Vous allez voir. On va parler des malédictions, on va parler de la faveur. Dès demain, on va prier contre les malédictions. Amen. J'ai observé que tu peux être un homme de Dieu et être sous malédiction. Yes. Tu peux être un homme de Dieu. Il y a une partie de ton ministère qui bouge et puis il y a une partie qui ne bouge pas. Il y a une partie de ta vie qui bouge. Il y a une autre partie qui ne bouge pas parce que tu es sous malédiction. Demain, jeûne de 6h à 18h. On se retrouve ici à partir de 19h. On va prier. Tu dois finir l'année autrement. Tu dois finir l'année comment autrement. Il y a un témoignage que tu dois recevoir. Il y a une percée que tu dois recevoir. Il y a quelque chose qui doit t'arriver. Si tu crois en cela, je te donne rendez-vous ici demain à 19h pour ces 5 jours de jeûne. Alors, tu dois être sur cet immeuble-là. Amen. Demain à partir de 4h30 sur Facebook, je serai sur Facebook Live. Demain à partir de Facebook Live pour prier, sur WhatsApp aussi. Hein? WhatsApp, Facebook Live, peut-être Zoom. C'est sérieux. Tu vois, si je prends toutes ces dispositions, c'est parce que c'est sérieux. Dieu m'a parlé. C'est parce que c'est sérieux. Tu devrais prier. Mais revenons dans le message. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Alléluia. Alléluia. Je vais m'arrêter là ce matin. Quand le Saint-Esprit marche avec toi, il fait quoi? Il te conduit. Et dans la conduite, il t'amène dans les lieux qu'il faut. Amen. Il t'amène à prendre les bonnes décisions. Quand le Saint-Esprit marche avec toi, il t'amène à agir de façon surnaturelle. Quand le Saint-Esprit marche avec toi, il fait quoi? Il rend toutes choses possibles. Tu vas te tenir debout, on va prier.